What's up, mes gens? What's up, tout le monde? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère qu'on m'entend, hein? Parce que là, il n'y a pas droit à l'erreur. OK? On va faire un swap. Yay! La dernière fois que j'ai fait le swap avec Tia, c'était il y a 8 ans. Quand je vous dis que ça fait longtemps que je suis là, que je suis dans les streets de YouTube. Donc, ça fait 8 ans qu'on avait fait le swap et récemment, on s'est dit non, on va. En fait, en 2023, fin 2023, on s'est dit on va refaire un swap. Les gars, l'aventure de ce swap. Bref, on ne va pas parler de ça, on parle que du côté positif. J'ai reçu le swap et j'ai crié, j'ai dit mais attends, elle a. Non, il y en a trop. Il y en a trop. On s'est donné, si vous ne savez pas le swap, c'est quoi, je vais vous le dire. C'est un échange de cadeaux. Vous faites un cadeau qui va partir dans un autre pays ou chez une autre personne et l'autre personne vous envoie un cadeau. On s'est fait un petit listing de ce qu'on voulait dans le swap. On n'a pas fait par budget. Vous pouvez faire par budget ou faire par produit. Alors, nous, on a fait par produit. Je pense que c'était 5-5-5, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Et je vous laisse avec le swap. Je suis trop contente, je suis trop reconnaissante. Et je vais aussi ouvrir le courrier qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a envoyé un courrier pour pouvoir comprendre comment le swap marche. OK? Pour avoir les idées des numéros et tout ça. So, let's go! Ok, je me suis mise de côté. S'il y a des choses que je dois montrer, je pourrais me mettre de ce côté, tu vois. Alors, on y va. Je peux lire, hein? Ouais, je vais lire ce qu'elle a écrit. Mon micro, je ne sais vraiment pas comment le mettre aujourd'hui. Anyway. Agnès, c'est avec beaucoup de joie que je renouvelle avec toi cette inoubliable expérience d'échange de cadeaux Sénégal-France. J'espère que cela te fera autant plaisir qu'il y a 8 ans. Voici les infos version dématérialisée. N'oubliez pas, je mets un appareil, donc des fois je vais parler en zozotant et tout ça. Donc, je vais vous montrer le truc. Ah! Vous allez m'entendre crier tout du long. Regardez-moi ça. C'est immense. C'est immense. Ok, je mets ça là. Comme ça, je vais sortir. Je me suis mise de ce côté parce que je veux vous montrer à chaque fois un tout petit peu. J'espère qu'on ne voit pas derrière parce que, les gars, Let's go. Alors, je vois des paquets. Ah, ça, c'est le 6. Je vais les mettre là, hein, en fait. Attends. Oh, my God. Il y a un gros carton comme ça. Voilà. Il y a un gros carton comme ça. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, je suis excitée. Comment on peut être comme ça? Oh my God. Regardez. Mais je pense que tu as dépassé le nombre de choses. J'ai l'impression que tu as dépassé le nombre de choses qu'on a. Ok. Non, ça, je te prends en dernier. Alors, le numéro 2 est là. Oui, parce que c'est numéroté, les gars. Les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les trucs. Comme ça, ce ne sera pas super long, compliqué à expliquer. Viens! Il y a ma mère qui. Oui, je t'ai appelé. Je vais faire le soin. Ouais, mais on dirait qu'elle en a mis trop. Elle a dépassé le truc. De quoi? Ouais, il y en a trop. J'essaie de mettre ça en ordre. Je veux pas les. Je veux faire un, deux. Par rapport à ta liste. Ouais, trois. Quatre.
5. Ok. 6. Quoi? Elle est belle, elle est ici. Mais oui. Donc, si vous entendez, c'est ma mère. Vous savez, si vous suivez mes soirs, vous savez qu'elle est toujours à côté. Et j'aime bien l'appeler pour qu'elle vienne à côté. Ok, ça, c'est les dizaines. Là, je veux aller jusqu'à 10. Ok, ça y est, on a les 10 premiers. On va commencer par... Elle a écrit 1, 2, 3, 4, soin made in Caraïbes, pour prendre soin de tes cheveux. Alors, le numéro 1, il est là. C'est bien emballé, hein? Si vous voyez les miens. Ouh, j'ai hâte de tester ça. Je pense que c'est des produits... Vous me connaissez, non? Les produits... Comme ça. Alors, c'est une marque que je vais pouvoir tester qui s'appelle Mango Butterful. Voilà à quoi ça ressemble. Le premier produit. J'espère que vous voyez bien. Ok, voici le premier produit. C'est écrit macérat huileux artisanal, handmade. Oil infuse. Ok. Booste la croissance des cheveux. Illumine la peau. Ah, c'est pour les cheveux et la peau. Hibiscus, moringa, ortie, plante ayurvédique. J'arrive jamais à dire ça. Pardon. C'est là. Waouh. En plus, il y a une grosse quantité. Hein? Et vous savez, ici, il n'y a que des filles. Donc, vous savez qu'on va tout utiliser ça. Je remets ça dans le carton histoire de. D'avoir tout dans un seul carton. Ok. Le numéro 2. Je pense que ce doit être la même marque, en fait, qu'il y aura dans le 1, 2. Elle a dit 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Numéro 2. Oh, la bouteille, elle est belle. Alors, je pense que c'est une autre marque. Qui s'appelle Eva Hair. Huile de ricin noir d'Haïti. Oh. Surtout si vous suivez mes vidéos, j'ai dit que j'allais reprendre soin de mes cheveux comme avant parce que j'ai laissé tomber les soins alors que voilà. Mais j'ai l'impression. Voilà, ça a focusé. C'est beau, mais même la bouteille, elle est belle avec le truc en bambou là. Je vous montre ça, mais je ferai des revues. Hein. Je ferai des revues pour ça. Merci, Tia. Numéro 3. C'est bien jusqu'à 4. Hein. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi non plus. Ouais, c'est ça. Made in Caraïbes. Alors, je pense qu'on avait fait 5 pour les cheveux, 5 pour le corps, 5 à manger. Ouais, je pense que c'était ça. Mais là, je vois 20. On est censé avoir 15 produits. Shampoing doux, sans sulfate, papaye, coco, lait de... papaye, cocoa, lait de coco. Mango Butterfly. Tout à l'heure, je vous ai montré, on avait eu le soin huileux. Voilà à quoi ça ressemble. Je me pousse pour que vous puissiez lire un tout petit peu. Donc ça aussi, on va tester. Hein. Ok. 2, 3. J'ai pas sorti de toi. Où ça? Ah, c'est le 3. Bon, il faut que je me calme. Je suis trop excitée là. Il faut que je me calme. Ok. 4. Voilà. 4. Ah, toujours la même. J'aime bien ça. Parce que tu peux tester une marque en entier. Là, c'est le soin nourrissant et démêlant de
Mango Care. Je crois que c'est la même marque que ces deux-là. Vous voyez? J'aime bien ce genre de truc. Ça me permet de faire un test d'une marque en entier. Une marque en entier. Ça vit. Donc, je vais pouvoir tester ça. J'ai trop hâte. Et vous savez, tous ces temps-ci, je priais pour bien faire les choses. Sur mon mood board, il y a écrit prendre des produits de qualité pour mon corps, mes cheveux, etc. Et on dirait que je manifeste les choses là comme pas possible. Merci Seigneur. Hein? On continue. Numéro 5. Ouh, c'est gros. C'est un masque. Ah, c'est la même marque. Non, ça c'est trop bien. Est-ce que c'est la même marque? Non, c'est pas la même marque. Mais ça, c'est énorme. Masque capillaire, cheveux crépus, bouclés et frisés. Je sais qu'elle fait très attention à ce qu'elle met sur ses cheveux. Donc, sérieux, quand elle te conseille un truc, la plupart du temps, ça s'appelle Pure Pousse, je crois. Et c'est une marque française. Et c'est une grosse quantité, hein, c'est 500 millilitres. Est-ce que je ne devrais pas ouvrir pour les sentir? Pourquoi je n'ouvre pas en fait? Oui, mais je peux ouvrir un pour voir. Ça sent à manger. Ça sent à manger. Regardez. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore les produits bien épais, les masques bien épais pour mes cheveux. Même si j'ai les cheveux ultra fins, j'ai trop hâte de tester ça. Ça, c'est 5. Bah, normalement, les produits pour cheveux sont censés être finis. Hein. On est au 5. On passe au 6. Ça, c'est 6 ou 9? 6. Ouais, c'est 6. Numéro 6. On a l'assistante, hein? Elle est là. Je connais pas. Ah, 5, j'ai pas lu. Une marque Black Owned à découvrir. 6, devine. Gluant et camerounais. Alors, Tia, il va falloir que tu me dises ça, c'est quoi? Voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va voir c'est quoi. Hein? Mais je connais, moi, même les herbes du Sénégal, je ne connais pas. Donc, je connais que quelques-uns, ceux qui m'intéressent, en fait. Ceux qui sont bien pour moi, en fait. Mais ça, je connais pas. Je lui demande. Ce que ouais, il faut me dire. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Mais je vais lui envoyer un message parce qu'il faut que je sache c'est quoi. Ouais. Je vous montre. Comme ça, si vous connaissez, dites-moi en fait. Mais ces trucs-là, d'habitude, c'est tellement bien, les gars. On va tester. Ma mère, je lui demande c'est quoi. Elle me dit c'est gluant et camerounais. C'était le 6. On passe au 7. Voilà le 7. Elle a bien emballé les trucs. Hein? Moi je n'ai pas emballé comme ça. Ok. Numéro 7. Le véritable. Et c'est rare. Le véritable quoi? Le véritable savon de Marseille. Le véritable savon de Marseille. Si vous ne savez pas, le savon de Marseille,
c'est pour ma maman. Elle adore le savon de Marseille. Et c'est vrai que c'est très bon pour la peau. Eh, j'en ai un, elle en a un. Vous le savez déjà. Waouh! Alors, c'est fer de cheval. Je pense que j'ai respiré du savon d'Normandie. Waouh! Le véritable. Ça, Tia, tu sais que ce sera pour moi et ma mère. Parce que elle, c'est une mordue des produits comme ça. J'ai dit que c'était pour toi, hein? Ouais, ouais. Regardez, dis ça, ouais! 7. Ah, tu as amené un couteau. C'était 7. 8. Et je te donne déjà. J'en prends un, tu prends un. On va tester ça. C'est le véritable. Alors, c'est emballé encore dans une bulle, dans un papier bulle. Je sens que je vais lui envoyer encore un truc, hein. Parce que là, moi, je vois trop de choses. J'ai l'impression d'avoir rien envoyé. Ok. C'est vraiment bien emballé, hein. Alors. Et c'est écrit... 8 à mettre dans ton sac à main. Des parfums. Je crois que c'est ceux de chez Adobe. C'est eux. Si, écoutez, je vais vous expliquer. Moi, je suis tellement de youtubeuses françaises qui a des produits... Je connais sans avoir connu, ok? Et Adobe faisait partie des marques que je disais, non, il faut que je teste ça. La prochaine fois que je fais un colis depuis la France, il faut que je teste Adobe. 3 parfums Adobe. Alors, on a le Yummy Candy. Oh. Ils sont, en plus, ils sont tout mignons. Wonderful. Il y a des paillettes. Il y a des paillettes. Oh, waouh. Celui-là, il fait très classe. Et lui, c'est mon oeil. Oh, j'adore l'odeur du mon oeil. J'ai un gel douche au mon oeil. C'est mon préféré. Ouais, grave. Waouh. Bon, je donne à ma mère à chaque fois pour qu'elle sente aussi. Non, ça sent super, super bon. Et vous savez que je suis mordue des parfums. Le numéro... Ils sont trop bons. Ils sont très bons. Le numéro 9, rien que le paquet, j'ai dit, je crie. Sephora. Il n'y a pas Sephora au Sénégal. Hein. Il n'y en a pas. Et ceux qui amènent Sephora ici, les prix sont assez... C'est un mascara. Yeah, de chez Sephora. J'ai déjà testé un mascara de chez Sephora que j'adorais, mais il était terminé. Yeah, j'adore les mascaras. Parce que c'est le seul truc que... Ouh, en plus, c'est bleu. Si vous ne savez pas, j'adore les mascaras de couleur. Même si, après, ici à Dakar, on va te regarder, on va te dire, mais qui est là? Tu te souviens? Ils vont te regarder et te dire, mais... Waouh! Mais je suis en train de sauter dans tous les sens. Il faut que je me calme. On va faire une petite pause de calmage. Non, on ouvre le 10 et après on se calme. Numéro 10. Les gars, je pense que je vais lui faire un autre colis. C'est pas possible! Elle m'a maltraité. Ça se dit. Ça se dit.
savez pas, c'est que vous me suivez pas depuis longtemps. Je suis la reine des miniatures. J'adore tout ce qui est miniature. Et là, j'ai 4 petites miniatures de lait corporel, Sultane de Saba. Je regarde plein de vidéos, de revues de cette marque en plus. Alors, j'ai musc, essence vanille. Celui-là, c'est ambre vanille, patchouli. Et lui, c'est musc encens rose. Ah, mais je suis pas sûre que ça focus. Et lui, c'est fleur de frangipané. Waouh. Mais je vais tester jusqu'à avoir mal à la tête. Je donne à l'assistante à chaque fois. Attends, je te mets le carton là-bas, comme ça. Katharine, tu peux mettre ça dedans. Waouh. On peut être excité comme ça. Les swaps, c'est trop bien. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse un autre swap, laissez-moi en commentaire qui vous voyez, avec qui je devrais faire le swap. Ok. On passe au numéro 11. C'est écrit, numéro 11, se met sous l'oreiller, là où tu ranges les vêtements. Ah. Ok. Je pense avoir. Ah, c'est les petits. Oh, ouais. Ça sent bon en plus. Le châtelard. Fleur de lavande. Ouais. J'avais déjà fait un genre de DIY avec du riz et des gouttes d'huile de lavande, je pense même. Et c'est ça en fait. C'est des trucs que vous mettez dans l'armoire pour les odeurs, l'humidité, ce genre de choses. C'est trop bien. Sérieux, ça change. Parce que des fois, vous laissez dans l'armoire, surtout quand vous avez... Je déteste ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours du linge. Parce que je déteste remettre mes vêtements que j'ai portés dans l'armoire. Donc, ce genre de truc, c'est trop bien pour ça. Sérieux, j'adore. Thank you. C'est trop bien. Alors... Ça, c'était le numéro 11. Normalement, il ne reste que 5. Mais je ne comprends pas pourquoi je vois plus que 5. Ok, on passe au numéro 12. Il est énorme. Sérieux? Eh, on n'était pas censé avoir fait ça. Ça devait être simple. Ça devait être super, super simple. Ah, c'est énorme. Attendez, j'enlève les bulles, le papier bulle là. Après, je reviens parce que d'habitude, ça prend plus de temps à cause... Alors, on va essayer. Et je veux tellement pas que ça coupe ou quoi que ce soit. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous aurez des coupures parce que je veux vraiment avoir tout, 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 tout. Finalement, je vais au chemin de croix de 18h. Je peux pas. Voilà. Ouh! C'est la partie que j'aime. On va manger. Coffret dégustation, miel. Oh! Regardez ça. Et demandez à ma mère, j'adore le miel. Je surkiffe le miel. Alors, on a Buyer Erika, lavande de Provence, montagne, bio de lin. Et il y a même le truc là pour se servir le miel. That's cute! Oh là là, j'ai déjà hâte. De toute façon, je pense que sur Insta et sur TikTok, je ferai des premières impressions à chaque fois pour le manger, pour tout. Donc, suivez-moi sur Insta et TikTok pour voir comment je vais manger ça. C'est à manger, c'est à manger. J'aime manger. Oui, on est en temps de carême. Donc, je mange à midi. Je vais essayer de manger ça à midi ou de goûter à chaque fois. Donc, celui-là, c'est le numéro... Hé, j'ai pas lu. Le 12, c'était écrit appétissant.
Le 13, bon appétit. C'est du nougat. C'est du nougat. Et à Lyon, ça finissait mon argent. À Lyon, ça finissait mon argent. C'est du nougat. C'est du nougat. J'adore le nougat. Je vais tellement manger. Bon, elle me rappelle ce à quoi je ressemblais quand j'étais en France. Tellement je mangeais ces trucs-là. J'avais trop grossi. Numéro 14. Pour bien t'organiser. Bien sûr. C'est quoi faire YouTube, les réseaux sociaux sans avoir un carnet? Bien sûr que c'est un carnet. Il est beau. C'est une to-do list. Je savais qu'il fallait que je sorte. Non. Donc, c'est une to-do list. J'adore ce genre de truc. Chaque jour, tu as la date et tu as tout ce que tu as à faire. Et j'aime. Sérieux, je le fais dans un cahier en ce moment. Ça y est. Ça y est. C'est trop beau. Merci, Tia. Ah! My God. J'espère qu'on continue à m'entendre. Ouais, c'est toujours allumé. Le numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le numéro 15? Oh. Numéro 15. Les gars, je tiens plus debout. Je vous jure, je tiens plus debout. Numéro 15, c'est écrit « Pour t'hydrater avec style. Wow. » Wow. Wow. Ça a un peu bougé, hein. Ok. M'hydrater avec style. Ce sont des pailles en verre. Ce sont des pailles en verre. Ouais, j'adore ça. Faut demander à ma mère. J'achète toujours des tasses, tu vois, un peu. J'ai 400 tasses dans la maison. Donc, ouais. Et je sens que Anna aussi va venir me les piquer. C'est trop. Ah, normalement, c'est fini. Mais pourquoi il y en a encore? On peut m'expliquer pourquoi il y en a encore? Numéro 16. Il me semble que tu aimes cette couleur. Je crois que c'est une... comment on appelle ça? C'est du make-up. Je pense que c'est du make-up. Je pense... Ah non! Ce sont des bijoux. Oh, c'est trop beau! Ouais. Ouais. Tout ce qui est flashy me va. Parce que je suis très foncée. Donc tout ce qui est vert, rouge, jaune, bleu, tout me va. C'est trop beau. C'est chic, hein? Avec ma robe rouge là. Le numéro 17. Et je peux déjà dire c'est quoi. Je peux déjà dire c'est quoi. Et j'adore cette marque. C'est dope. Je sais que c'est dope. La forme, c'est dope. Je pense pas que je me suis trompée. Si vous ne savez pas, j'aime les gels douche. En plus, ça sent déjà bon. À la forme. Sérieux, ici à Dakar, ils le vendent un peu trop cher à mon goût. Vous le trouvez à Carrefour, bonbon cola. Qui a inventé ça?
Qui a inventé ça? Eh, je pense que dans tous les pays du monde, il y avait ce bonbon-là. Et il existe toujours, d'ailleurs. Eh, qui a inventé ça? Normalement, on a fini. Hein. Je comprends pas comment ça se fait. C'était pas 17? Ouais, là, t'es à quoi? Ah, elle a mis 19. Peut servir. Sérieux, on était censé avoir fini là. Effectivement. C'est une bouteille. Surtout que... Eh, je porte pas de soutien-gorge. Je l'ai dit. Je porte pas de soutien-gorge. Je ne peux pas. J'en porte presque jamais. Donc ouais. Ça va vraiment, vraiment servir. C'est les scotch pour la poitrine. Eh, vous pouvez demander. Tout le monde sait ça de moi. Je porte jamais de soutien-gorge. Je porte, je peux pas. Donc ça, oui. Et en plus, avec les robes, comment on dit ça? Échancrées. Ou les dos nus, tu peux mettre ça. Non. C'est pas ça peut, c'est ça va aider. Parce que je porte jamais. Et je pense que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. C'est le 20. Elle a écrit 18 et 20. Je suis un peu perdue dans les numéros. Est-ce que tu as déjà goûté? C'est le manioc. C'est le bâton de manioc. Je suppose que c'est du Cameroun. Parce que moi, ce que j'ai goûté, c'est Gabon et Côte d'Ivoire. Donc... à réchauffer 4 minutes sans déballer dans le four, au micro-ondes ou au bain-marie. Eh, est-ce que je ne vais pas manger ça aujourd'hui? Ah non, je ne peux pas manger de la viande. Je vais mettre ça au frais et je vais manger ça demain. Ouais. Et Marie va faire du soupe kandia demain. C'est la sauce gombo. Yes! Oh, je suis trop contente. Bien sûr, vous allez me dire, ah, c'est fini. Non, non, j'ai vu des trucs qui traînaient là, dans le sachet. C'est pas normal. Si je mange pas, si je goûte pas, c'est parce qu'on est en carême et je vais faire des vidéos à chaque fois que je vais les manger. Et je mettrai ça sur Instagram ou TikTok. Les liens, de toute façon, seront en barre d'infos. OK? Alors, il y a un truc, il y a ça. Vous avez dedans un headband, un bandeau, une charlotte. Et ça, c'est des serviettes microfibres pour les cheveux. Sérieux, j'en avais pas. J'utilisais mes t-shirts. Je suis trop contente. En bleu, c'est trop beau. Et ça, j'ai trop hâte d'utiliser pour voir c'est quoi la différence. Quand tu sors de la douche, que tu as lavé les cheveux, et tu peux, il y a un truc pour bien tenir le bonnet. J'ai trop hâte d'essayer ça. J'ai trop hâte. Oui, les gens ont hâte d'essayer des trucs compliqués. Moi, ça, c'est mon truc. Bien sûr. On peut faire ça à quelqu'un en temps de carême. Parce qu'en temps de carême, tu es censé faire des efforts. Hein. Il y a des trucs que tu ne peux pas manger. Mais je vais manger. Je vais faire attention. Je vais prendre deux. Je ferme. Deux. Je ferme. Jusqu'à... Mais ça, ce n'est pas, c'est pas le plus grave. Il y a plus grave que ça. On va faire en fait pour respecter. Je vais l'ouvrir. Toi, tu peux goûter. Tu peux goûter. Moi, je dois attendre jusqu'à midi. Il est midi. Bon, midi, 13h quoi. Alors,
Bon, elle n'est pas trop sucrée, donc je ne lui donne pas les tagadas, là. Non. Elle va tester le marron glacé. Et même la boîte, elle est belle, les gars. Et je pourrais la réutiliser. Vous voyez? Regarde comme c'est beau. Oui. J'adore la boîte. Vous me connaissez, j'adore garder les boîtes. Tout le monde fait ça chez moi. Oh. C'est bien emballé, hein? Ça doit faire 30 secondes que je suis en train d'essayer de les faire sortir. Oh Seigneur. Waouh. Les gars. Ah, t'aimes bien le luxe? Je n'aime pas parler de ça. Tu me gênes. Attendez, je vais remettre ça dans la boîte. Oh, il faut que je mette ça au frais. Il y en a qui coulent. Viens prendre un. Parce qu'il faut qu'on entende ce que tu dis. Mais non, mais au frais. Pourquoi tu veux créer quoi aux gens que je ne gère pas? Je fais mes efforts de t'arrêter aussi. Mais je voulais que tu... Bon, ok. Elle va goûter après. Et je vais filmer comme ça, vous verrez. Mais... T'aimes le luxe? Ça, il faut qu'on mette ça au frais. Tout de suite. Oui. Les deux là, en fait. Avec celui-là. Ouais. Bon, les gars. Ça y est, le swap est fini. Je pense que c'est terminé. Je veux qu'on m'informe par rapport à ça. Il faut, en commentaire, dites-moi qu'est-ce qu'il faut, comment je le fais et tout ça. Même si je vais envoyer à Tia un message pour savoir comment on utilise ça, il faut que vous me donniez des infos. Il faut que vous me donniez des infos par rapport à ça. Sérieux? Trop contente, j'ai adoré tout ce que j'ai reçu. Eh, les swaps, c'est comme Noël ou un deuxième anniversaire. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté de le faire, mais je vais le faire encore plus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, des personnes à qui je devrais faire, avec qui je devrais faire un swap, n'hésitez surtout pas. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et encore, Tia, merci. Sérieux? J'ai fait des rencontres extraordinaires sur les réseaux. Des gens sérieux, extraordinaires. Un, je ne m'attendais pas à avoir une bonne relation avec ces personnes, à aimer leur contenu au point d'être toujours là, et de voir qu'elles sont toujours là, parce que ce n'est pas la seule, il y en a plein. Mais sérieux, elle est là, constante, je la vois, je suis ses contenus. On se soutient, j'aime bien ce qu'elle fait, j'adore sa ligne, surtout par rapport aux marques, comment elle met en avant le black owned, le bio pour certaines filles. Parce que faut le dire, il y a des gens qui recherchent quelque chose qui leur correspond. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le marché qui peuvent correspondre aux femmes noires et métissées. Donc, ça m'a fait plaisir de la rencontrer et ça me fait toujours plaisir de voir ce qu'elle fait. Allez la soutenir si vous ne la connaissez pas. Si vous êtes en France et que vous voulez avoir les meilleurs produits, allez voir ses revues parce qu'elle fait des revues de malades. J'adore sa manière de conscientiser aussi la femme noire sur plein de choses. Elle ne parle pas que de cheveux. Elle parle de santé aussi et j'adore ça. Elle nous explique certaines choses. On voit son évolution, on voit comment... Eh, je t'ai vu faire le chandelier là. Hey. Je vais le faire aussi. J'adore son évolution. J'adore ce qu'elle fait. Et sérieux, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. À aller voir son univers. À aller se renseigner. Parce qu'elle vous apporte des trucs dans la culture générale. Dont on a besoin. Il y a des études que les gens ne font pas. Eh bien, allez voir. Elle le fait. OK? Sérieux, merci beaucoup. Merci beaucoup
pour ce que tu fais. Merci de ne pas regarder, parce que beaucoup de gens vont regarder. Oui, mais elle, c'est qui? Elle ne regarde pas ça. Elle est venue au Sénégal aussi. On s'est rencontrés et tout. Et sérieux, c'est une très bonne personne. Sérieux. J'ai rarement des atomes crochus avec d'autres youtubeurs et tout ça. Avec elle, c'est passé crème. Et jusqu'à présent, j'adore ce qu'elle fait. Je l'ai déjà dit, je pense, mais vraiment, je suis reconnaissante de t'avoir rencontrée. Je suis reconnaissante d'avoir pu échanger avec toi. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et bon, peut-être pas dans 8 ans, on va dire dans 5 ans ou dans 2 ans, on va se faire un autre swap et voir, et découvrir des nouvelles choses par rapport à nos pays respectifs. Et yeah, j'ai adoré et j'ai hâte de tout tester. Comme j'ai dit, je vais tout tester sur TikTok et sur Instagram et vous pourrez voir. Suivez-moi, suivez-la. Sa vidéo sera link aussi en dessous. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que je lui ai offert. Mais je vais lui refaire un paquet. Hein, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On avait dit 15 et là, j'ai l'impression qu'on est à 20. Si, on est à 20. Peace.